bonjour mes filles. Pour débuter, je tiens à m'excuser de mon retard ce matin à la messe. 5 heures du matin, c'est pas mon fort. Oui, c'est ça, c'est ça. Et, mais voilà, mes filles, je vais vous présenter une nouvelle venue dans notre communauté. Il s'agit de Sœur Marie-Clarence. Sœur Marie-Clarence nous vient d'un couvent, comment dirais-je, quelque peu d'avant-garde. Quoi qu'il en soit, elle aspire à davantage de rigueur et de discipline. Et je suis certaine qu'elle mettra tous les efforts nécessaires pour répondre à nos usages, n'est-ce pas? Je vais faire de mon mieux. Hein? Alors voilà, je vous présente Sœur Marie Lazarus, notre chef de chœur, Sœur Marie Robert, Sœur Marie Patrick, Sœur Marie Luc, Sœur Marie Julien, Sœur Marie Laurent. Et écoutez, vous pourrez discuter avec les membres de la communauté tout au cours du petit déjeuner, n'est-ce pas? Oui, Sœur Marie Patrick. Oui, nous rappelle toute l'humilité que nous devons avoir en toutes circonstances. Non, j'y arriverai pas. Vous savez, mon dos... Ne vous en faites pas, vous finirez par y arriver. Je pourrais vous aider. Je pourrais vous aider. Vous êtes toujours aussi... aussi gay, vous. Qui, moi? Oh, c'est vrai que je suis gay. J'ai toujours été comme ça. Une éternelle optimiste. Vous savez ce que ma mère me disait lorsque j'étais petite? Cet enfant est un vrai rayon de soleil! Elle finira bonne sœur ou hôtesse de l'air? Un whisky? Ah, mes sœurs, assez bavardées! Un couvent d'avant-garde? Mais quelle horreur! Moi, j'aimais mon couvent de Vancouver. Nous étions dans les bois. Ce n'était pas du tout comme ces couvents qui se disent d'avant-garde. Pas d'électricité. Pieds nus. Pas d'eau froide. Oh, ça, c'était des religieuses. Une vraie sinécure. Oh, mais c'était l'enfer pour nous. Mais je m'y plaisais. Oh, c'est mieux que le hip. Mes sœurs, nous passerons le reste de cette journée en silence. Pourquoi? En gardant nos lèvres scellées, que nos prières seront mieux entendues, Sœur Marie-Clarence. Et sœur, je vous prierai de vous occuper du jardin pendant que Marie-Clarence acquittera des tâches à faire ici. Voilà, elle est très bien allée au jardin, moi aussi. J'ai demandé en silence et se coucher du soleil. Un peu d'air, Marie-Clarence! Il y a de fortes conséquences à la désobéissance. Non, c'est parfait, je viens vraiment nettoyer ici, mon sœur. C'est bien, tu viens! En silence! Silence! Thank you.
classe, sortir et se diriger vers le bar qu'il y avait de l'autre côté de la rue. J'ai décidé de la suivre. Elle irait rejoindre le vent de la chorale. Oui.